Amen. Amen, amen. Vous êtes bien installés? Bonjour, bonjour. Je me présente, je suis le pasteur Jo. Et effectivement, je suis le pasteur de cette assemblée qui s'appelle le ministère Don de Grâce. Parce que dans son ministère, on prêche la grâce. Et la grâce, c'est une faveur imméritée, vous savez. C'est pas parce que tu plais à Dieu que tu reçois l'amour de Dieu. Ce n'est pas parce que tu ne plais pas à Dieu non plus que tu n'as pas le droit de l'amour de Dieu. On va passer un petit temps de partage de la parole avant de continuer cette cérémonie. Il est question d'amour aujourd'hui. Il est véritablement question d'amour aujourd'hui. Et on va parler d'un livre qui, pour moi, est un livre magnifique. Il s'agit du livre de Ruth. Vous connaissez Ruth? Tout le monde connaît Ruth? Qui ne connaît pas Ruth? Vous m'écoutez? Amen. Tout le monde connaît Ruth alors? Waouh! Ok. Donc nous, on a des enfants spirituels. Et à mes enfants spirituels, je leur dis, essayez de retrouver Jésus dans l'Ancien Testament. Parce que Jésus, ce n'est pas un Dieu qui se cache. C'est un Dieu qui se dévoile très facilement. Aujourd'hui, pour ceux qui ont la Bible en ligne, vous savez, il est écrit « Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité ». Et c'est vraiment le nom de Yahweh, vous savez. Yahweh, c'est celui qui était, qui est et qui sera éternellement. Amen. Donc, je demande à mes enfants de chercher la personne de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Et quand on découvre Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, on frémit. On dit « Ah, tu étais déjà là ». Vous voyez? Et donc, on rentre dans ce livre de Ruth. Et Ruth, ça marque vraiment les étapes, vous savez, les étapes de tout chrétien. Parce qu'on n'arrive pas en étant chrétien et en impactant tout le monde, vous voyez. On n'est pas tout de suite, on découvre Jésus, boum, on devient ébénine, en fait. Vous voyez? Ok. On a, dans ce livre de Ruth, la notion de fidélité. Et ça s'approche vraiment, ça marque très bien cette cérémonie, cette célébration nuptiale, dans le sens où on sait ce que fait l'infidélité. Vous voyez? Quand quelqu'un est fidèle, tout va bien. Mais si on se retrouve avec un mari infidèle, aïe, aïe, aïe. Vous voyez? Et le problème, c'est que cette notion de fidélité, en grec, c'est le même mot que avoir la foi. Donc quand tu as la foi, en fait, tu es fidèle. Autrement dit, quand tu n'es pas fidèle, tu n'as pas la foi. Quand tu n'es pas fidèle, tu ne crois pas en Jésus-Christ. Tu as la foi, mais en fait, tu ne l'as pas. Tu ne la foies pas, comme on dit. C'est apistos. C'est vraiment l'inverse de avoir la foi. Et dans ce livre-là de Ruth, on voit la marche, comment grandissent les enfants de Dieu lorsqu'ils rencontrent Jésus. Et lorsqu'ils deviennent eux-mêmes, vous voyez, des véritables enfants de Jésus-Christ. Ok. Ruth, elle habite le pays de Moab. Moab, c'est nous. Moab, c'est les gentils, c'est nous. Vous voyez, ce ne sont pas les enfants que Dieu a déclarés comme étant les descendants de Jacob. Donc les Moabites, ce sont vraiment ceux qu'on appelle les gentils dans la parole de Dieu. Nous sommes ceux qui étaient étrangers de Dieu et qui ont été rachetés par Dieu en Jésus-Christ. Donc Ruth, ça nous concerne réellement, véritablement dans l'Ancien Testament. On a Ruth qui suit son époux,
Qui suit sa belle-mère? Qui suit son beau-père? Qui suit le frère de son époux, qui lui-même est marié à une fille? Et en fait, cette belle-mère-là, à un moment donné, elle rentre dans le pays de Moab, parce qu'il y a la famine en Israël. Et en fait, ce qui se passe, c'est que elle perd son époux et ses deux enfants. Elle se retrouve vraiment veuve. Noémie est veuve à ce moment-là. Et elle demande à ses filles, « Vous, mes filles, retournez chez vous, de là où vous venez. Ne restez pas avec moi, parce que je n'ai rien à vous apporter. Je suis une veuve. Vous voyez, j'ai rien à vous apporter. » Et cette veuve-là, c'est vraiment notre belle-mère à nous. Cette veuve-là, c'est notre belle-mère à nous, dans le sens où nous avons comme mère, par alliance, Israël. Nous qui sommes chrétiens, nous avons comme mère par alliance Israël. C'est très important ce que je dis. Ils ont un Dieu qui n'est pas notre Dieu. Mais notre Dieu a accepté qu'on soit ses enfants par l'alliance en Jésus-Christ. Ruth regarde sa belle-mère et lui dit « Mais moi je veux rester avec toi, bien sûr. Je m'engage dans tes voies parce que ton Dieu, c'est mon Dieu. Je l'ai accepté, je l'ai reconnu. Ton Dieu, le Dieu d'Israël, est mon Dieu, je l'accepte. » Et sa belle-sœur, qui s'appelle Orpha, elle retourne de là où elle vient. Vous voyez ? Orpha, ça veut dire coup. Et dans l'Ancien Testament, en fait, le peuple est appelé des nuques raides. Vous voyez ? Des insoumis. Ce sont des paroles, ce sont des personnes qui ne peuvent pas reconnaître les bienfaits du Seigneur et qui retournent dans ce que le monde a à leur proposer. Qui retournent dans leur pensée à ce que l'Égypte a à leur apporter. La technologie, les mauvaises nouvelles, le divertissement, mais pas Jésus-Christ. Donc Orpha retourne vers ses dieux. Il est question de savoir quel est ton Dieu. Est-ce que ton Dieu c'est Jésus-Christ ou est-ce que ton Dieu c'est ton travail? Est-ce que ton Dieu c'est Jésus-Christ ou est-ce que ton Dieu c'est ta famille? Est-ce que ton Dieu, c'est Jésus-Christ? Ou est-ce que ton Dieu, c'est ta santé? Qu'est-ce que tu mets au-dessus de Jésus-Christ dans ta vie pour ne plus voir Jésus-Christ? Et Ruth, elle dit, je m'engage. Ma belle-mère, je ne te quitterai pas. Là où tu iras, j'irai moi aussi. Elle a reconnu ce Dieu d'Israël. Elle a reconnu ce Dieu d'Israël. Il est écrit dans Ruth 1,16, « Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple. Et ton Dieu est mon Dieu. » C'est vraiment, mais c'est vraiment ce qui se passe quand on fait le parallèle avec nous les chrétiens, quand on fait l'appel au salut. Quand on dit « Veux-tu reconnaître Jésus-Christ de tout ton cœur ?» On ne demande pas de confesser des péchés, on demande de confesser la vie en Jésus-Christ. On dit « Oui, je reconnais que Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur. » C'est exactement ce que Ruth vient de faire. Et je vous le redis, ce livre de Ruth marque l'ascension de tout chrétien. On commence par découvrir ce Dieu qui est au début lointain et distant. Ce Dieu qui, on se met à genoux et on prie un Dieu lointain. On dit « Ok, je reconnais ton Dieu, oulala, c'est sûr, il marche avec Israël. Je m'engage avec ce Dieu d'Israël. » Et on continue. Elle reconnaît le véritable Dieu, le seul vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Et il retourne du côté de Bethléem. Bethléem, si ça ne vous dit rien, c'est là où est né Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus de Nazareth, c'est Jésus de Bethléem. D'accord ? Il a vécu à Nazareth, mais il est né à Bethléem. Donc il retourne à Bethléem. Et je vous le rappelle, le fil conducteur, c'est « Hé les enfants, cherchez Jésus dans l'Ancien Testament. » Vous allez voir, il ne se cache pas, il se dévoile très facilement. Et donc, dans la loi thoranique, on a une loi qui dit que votre champ, quand vous avez un champ, vous devez en laisser un petit peu pour les plus pauvres, pour les plus démunis. Et c'est ce que fait Ruth à cet instant, elle qui est avec sa belle-mère, Noémie, qui, quand elle est rentrée au pays, a dit « Ne m'appelez plus, ne m'appelez plus Noémie, appelez-moi Mara. Appelez-moi Mara. » Vous voyez ? Parce que Mara, en fait, ça représente beaucoup de nos frères juifs desquels Dieu a détourné sa tête. Dieu a détourné son regard de ses enfants bien-aimés
pour en sauver le plus grand nombre, jusqu'à ce qu'il revienne sur ses enfants bien-aimés. Parce que l'objectif, la parole de Dieu dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque confesse ait la vie éternelle. Et donc elle, notre mère juive, notre belle-mère à nous qui sommes chrétiens, elle rentre dans son pays et dit, appelez-moi Mara. Je ne suis plus Noémie, je suis Mara. Vous voyez ? Mara, ça veut dire, Noémie, ça veut dire agréable. C'était une belle-mère agréable. Et Mara, quand elle vient, quand elle revient, il y a une notion de tristesse et d'amertume. Et c'est pour ça que nous, quand on prend la Sainte Cène dans le pain, on ne met pas d'herbe amère. Parce que le Mara, il est mort en Jésus-Christ. Il n'y a plus d'amertume en Jésus-Christ, il n'y a plus que la joie. Quand nos amis juifs fêtent la Pâque Pessa, il y a les herbes amères. Il y a les œufs, parce qu'on a pris tous les premiers-nés en Égypte. Il y a tout ça. Mais nous, on n'est que dans la joie. On a reçu la pleine bénédiction en Jésus-Christ. Donc Mara demande à sa fille d'aller glaner dans le champ pour récupérer de quoi manger. Parce que les voilà à chercher de quoi se nourrir. Et Ruth glane. Glaner, ça veut dire qu'en fait, il y a ceux qui travaillent le champ et qui laissent quelques petits épis, d'accord ? Pour les pauvres et les nécessiteux. Ça fait partie de la loi thoranique. Ça fait vraiment partie de la loi de Moïse. Ruth la Moabite dit à Noémie, on est dans Ruth 2.2, « Je vais aller au champ pour glaner des épis derrière celui dont j'obtiendrai la faveur. » Je vais aller au champ pour glaner des épis de celui dont j'obtiendrai la faveur. Vous voyez, ce mot-là, faveur, c'est vraiment le même mot que la grâce. Et quand nous, on débute, quand on est chrétien, on prie un Dieu, on cherche à obtenir la faveur. On dit, Jésus, Jésus, je reconnais que tu es Dieu. Maintenant, je prie pour que tu exauces. Parce que là, j'ai faim. Sous-entendu, j'ai des problèmes dans ma vie. La parole te dit, priez le Seigneur parce qu'il y a peu d'ouvriers. Et la moisson est grande. Il est vraiment question de champ à ce moment-là. Effectivement, elle n'est pas encore dans le stade ouvrier. Elle est dans le stade de ceux qui ont besoin de Jésus pour toucher la bénédiction. Donc, elle continue de marcher jusqu'à ce que elle rencontre celui à qui appartient le champ, Boaz. Elle rencontre celui qu'il a déjà vu, Boaz, et qui a dit à ses ouvriers, laissez même des épis complets. Pour cette petite-là, qui est-elle ? Elle s'appelle Ruth. Que fait-elle ? Elle est fidèle. Elle est fidèle, Ruth. Elle a accepté notre Dieu. Elle a pris comme belle-mère Mara, et elle est restée avec Mara. Même si elle n'a plus rien à lui apporter, elle est restée fidèle au Dieu d'Israël. Elle n'est pas retournée voir ses faux dieux. Elle n'est pas retournée voir le Dieu de sa société dans lequel elle vit. Et quand elle fait sa rencontre avec Jésus, quand elle fait sa rencontre avec Boaz, image de Jésus, Jésus la bénit et lui dit « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. » Il lui dit « Que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel. » Et il insiste « Le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu te réfugier. » Jésus te dit « Je te bénis. » Et Jésus te dit, je te bénis de toutes les bénédictions. Tu étais en train de glaner, mais moi je vais te donner. Tu étais en train de chercher, mais moi je vais te donner. Tu n'auras plus besoin de te baisser pour ramasser. Parce que j'ai prié pour que le Dieu te donne au-delà de toute mesure. On était dans Ruth 2.12. Que l'Éternel te rende, que ta récompense soit complète. Sous les ailes de l'Éternel. Ton Dieu, sous les ailes de l'Éternel, ton Dieu, en dessous duquel tu t'es réfugié. Quand on rencontre Jésus, il y a un stade dans l'engagement. À un moment donné, on dit « je confesse Jésus ». Et un peu plus tard dans notre marche avec le Seigneur, on l'a fait la semaine dernière, on dit « je veux vraiment m'engager avec Jésus ». Ça passe. Par le passage par les eaux du baptême.
On veut se fiancer avec ce Jésus. On veut s'engager ouvertement. Aujourd'hui, il est question de mariage. On est au-delà de tout ça. Mais c'est un peu la même genre d'alliance. Vous voyez ? On fait reconnaître devant témoins que ce Dieu-là, on veut faire reconnaître devant témoins que cet époux-là, je m'engage avec lui. On n'est pas encore dans le mariage, on est dans les fiançailles. Sa belle-mère lui dit, écoute, pour en faire ton fiancé, c'est simple. Et vraiment, je n'ai pas envie d'aller trop loin dans la profondeur de la parole avec Ruth. Parce qu'on voit à un moment donné que Boaz nettoie son champ avec un van à la main. Et ça, dans le Nouveau Testament, on voit que Jésus le fait pour séparer l'herbe de l'ivraie, la bonne herbe de l'ivraie. Okay, on ne va pas rentrer là-dedans. Simplement, une fois qu'il a bien travaillé, Ruth va se positionner au pied de son bien-aimé. Elle se jette au pied de son bien-aimé. D'accord ? Et Boaz constate. Il lui demande, qu'est-ce que tu fais là ? Il dit, je cherche l'alliance. On va faire le parallèle avec un verset du Nouveau Testament. Ça va tilter dans vos têtes. Ruth se met au pied de Boaz. Il dit, je cherche l'alliance. Ruth 3.8. Tout du moins, Ruth 3.10. Boaz dit, sois béni de l'Éternel. À nouveau, bénédiction. Sois béni de l'Éternel, ma fille. Cette dernière marque de loyauté vaut encore plus que la première. Quand on a des problèmes avec Jésus, et mon épouse, l'évangéliste Charlotte, enseigne très bien la différence entre Marie, entre Marthe et Marie. Quand on a besoin de Jésus, quand on reconnaît Jésus, à un moment donné dans notre vie, on se jette au pied de Jésus. On se jette au pied de ce Jésus. Je lis pour vous dans le Nouveau Testament, nous sommes dans Luc 10. On parle de Marie, on parle de Marthe. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'assit au pied du Seigneur et qui écoutait sa parole. On est dans Luc 10, 39. C'est exactement ce qu'a fait Ruth. Elle s'est assise au pied de son Seigneur. Elle s'est allongée au pied de son Seigneur. Ensuite, il est écrit dans Luc 10, 42, un tout petit peu plus loin. Or, c'est Jésus qui parle. Une seule chose est nécessaire. Et elle parle à Marthe de Marie. Marie a choisi la bonne part. Elle ne cherche pas le divertissement. Elle ne cherche pas à s'activer en cuisine. Elle ne cherche pas à s'occuper de ses enfants. Elle ne cherche pas à avoir la meilleure note à l'école. Elle ne cherche pas la dernière vidéo sur YouTube, Instagram, Snapchat, etc., etc., Facebook. Non. Jésus lui dit, Marie a choisi la bonne part. Elle est restée au pied de Jésus. Et il insiste, Jésus. Elle a choisi la bonne part. Elle n'a pas choisi une bonne part, elle a choisi la bonne part de qui ne lui sera pas ôté. Quand tu fais ta rencontre personnelle avec le Seigneur, quand tu t'engages dans les fiançailles avec Jésus, ça ne te sera pas ôté. Tu es béni. Tu es béni. Ta marque d'engagement, le fait d'arrêter de t'agiter comme Marthe, le fait de te poser au pied de ton Seigneur comme Marie, comme Ruth à cet instant, fait que tu as choisi la bonne part. Tu as choisi l'éternité. Tu as choisi la bénédiction. Tu as choisi d'être appelé enfant de Dieu. Amen. Cette Marie, c'est la même Marie qui a jeté son parfum aux pieds de Jésus, d'accord ? Et qui a même essuyé ses pieds avec ses cheveux. Peu importe le monde qui l'entoure, et peu importe ce que le monde autour pense d'elle, en disant « Oh là là, mais ce Jésus, si simplement il savait avec qui il était en train de traîner là, il se serait rendu compte que c'est une pécheresse, que c'est une moabite, qu'elle n'a rien à faire avec cette histoire de Jésus-Christ. C'est une gentille, comme nous. Mais elle est devenue digne. Elle est devenue fiancée de Jésus-Christ, comme nous sommes les fiancés de Jésus. Dès lors, que l'on se jette à ses pieds. Et ce qui se passe dans la loi de Dieu, s'il y a ce fameux droit de rachat. On en a parlé dans cette assemblée du droit de rachat. Et Boaz,
Dis à Ruth, dis à Noémie, sa belle-mère, attention, il y a quelqu'un qui a un droit de rachat sur ta vie. Il y a quelqu'un qui a un droit de rachat sur ta vie. Cet homme fort. Le monde. Parce que tu es né pécheur, jusqu'à ce que tu rencontres Jésus-Christ. Mais moi, Boaz, je vais aller voir cet homme. Je vais prendre 10 témoins. La semaine dernière, on avait enseigné qu'avec 10 familles, on peut créer une yeshiva, on peut créer une synagogue. Je vais prendre 10 témoins, parce que c'est le quorum dans la parole de Dieu. Je vais prendre 10 témoins et on va aller négocier. Et Boaz rachète Ruth. Dans 1 Corinthiens 6, 20, il est écrit « Car vous avez été rachetés. » Car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Alléluia. Nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés du mensonge du monde. Nous avons été rachetés du péché, du pouvoir du péché dans nos vies. Nous avions une nature adamique. Nous sommes revêtus d'une nature en Jésus-Christ. Boaz a pris ses 10 hommes et a demandé le droit de rachat. Et l'homme en face de lui dit, « Je ne peux pas racheter pour mon compte. Rachète pour toi ce que j'ai le devoir de racheter, car je ne peux pas racheter. » Donc, Boaz, rachète. Comme nous, on a été rachetés. Boaz, image de Jésus, a racheté Ruth. Comme nous, on a été rachetés à la croix. Nous qui sommes les gentils. Et on continue. Et on continue. Il est question de mariage. Il est question de bénédiction nuptiale. Il était question d'attraper sa bénédiction. Il était question d'une fille, Ruth, qui reconnaît Jésus à un moment dans sa vie. Il est question d'une fille, Ruth, qui va attraper ses bénédictions dans le champ. Il est question d'une fille, Ruth, qui à un moment donné, dans ce champ, rencontre à qui appartient ce champ. Jésus. Boaz. Il est question, Ruth, qu'elle se jette aux pieds de son Boaz et qu'elle touche la pleine bénédiction. Il est question, Ruth, que Boaz, Jésus, fait son droit de rachat en donnant sa vie à la croix pour que tu aies la vie en éternité. Il est question, Ruth, maintenant, il est question, maintenant, plutôt que de réclamer après des bénédictions, plutôt que de glaner dans le champ, même si ton Boaz te donne des vrais épis, il est question maintenant d'être toi-même la source de bénédiction. Il est question maintenant dans Ruth d'être toi-même la source de bénédiction. On continue. Ruth et sa belle-mère, Israël, et moi quand j'ai lu ça, je vous assure, ça a touché mon cœur. Parce que Jésus, celui qu'on appelle Yahweh, le nom ineffable chez nos amis juifs, Jésus aime ses enfants, tous ses enfants. Et notre Mara, l'amertume, notre Mara, qui était trop vieille, et qui a même demandé à un moment donné à Orpha et à Ruth, « Mais si vous attendez, peut-être que je vais vous faire d'autres enfants pour que vous continuiez votre alliance avec moi. » Elles ont dit, « Non, t'inquiète pas, je prendrai soin de toi, j'irai glaner pour toi, j'irai bénir pour toi, je prends soin de toi. » Et Boaz et Ruth vivent ensemble et ont un enfant. Ils ont un enfant. Et que fait Ruth ? Ruth donna l'éducation de son enfant à sa belle-mère, Israël. Ruth donna la bénédiction de son premier-né à sa belle-mère, Israël, l'image d'un sauveur. Ruth prit l'enfant, il est écrit dans Ruth 4,16. Noémie prit l'enfant et le mit à son sein, et ce fut elle qui l'éleva. Et on dit qu'un fils est né de Noémie. Et les voisines l'appelèrent du nom d'Obed. Ça veut dire serviteur. Ça veut dire serviteur. Parce que Jésus viendra sauver également le peuple juif. On a reconnu Élie en la personne de Jean le Baptiste, celui qui a annoncé la venue du Messie. On a reconnu le Messie en la personne de Jésus-Christ, celui qui est mort et ressuscité 3 jours plus tard. On s'est engagé avec lui. Et il nous a dit maintenant, des fleuves d'eau vive jailliront de votre sein. Maintenant, devenez les sources de bénédiction. Mais nos amis juifs, eux, ont toujours à cœur de faire naître le Messie, de faire naître le serviteur, de faire naître celui qui viendra
servir pour son peuple. Ruth, c'est vraiment le symbole de la fidélité. Et Boaz, c'est le symbole de la force. Ça veut vraiment dire force. Vous voyez ? Ruth, c'est le symbole de la relation. Vous voyez ? De l'amitié, de la relation. Moi, je vous le dis, de la fidélité. Et il existe dans la loi des Juifs, un sacrifice qui est le sacrifice de communion, on en a déjà parlé, dans lequel le sacrificateur pourra consommer l'épaule et la poitrine, la force et la relation, la fidélité. Ruth et Boaz. Il existe un sacrifice qui est non obligatoire chez les Juifs, qui s'appelle le sacrifice de communion. Parce que dans la loi, on te dit, il faut faire. Et il ne faut pas faire. Et si tu respectes la loi dans son entier, tu peux prétendre à être béni. Ça, c'est la loi. Mais un seul a accompli la loi, c'est Jésus-Christ. Mais dans cette loi, il existe une loi qui te dit, si tu sens que tu es béni de Dieu, alors fais ce sacrifice de communion, dans lequel tu viens, ça te coûte, dans lequel tu viens avec une brebis, un agneau, un taureau. Et le sacrificateur brûlera tout, sauf Boaz et Ruth. Sauf Ruth et Boaz. L'image de la puissance et l'amour. L'image de la grâce, la faveur imméritée de Jésus-Christ. Nous sommes le ministère Don de Grâce. Et nous avons vocation de partager l'évangile de la grâce. Parce que la grâce libère. Parce que la grâce délivre, parce que Jésus-Christ est présent dans l'Ancien Testament et Jésus-Christ est présent bien au-delà des évangiles. Jésus-Christ t'a béni. Tu es béni parce que tu as cru en Jésus-Christ. Il est temps maintenant d'être toi-même la source de bénédiction. Et aujourd'hui, il y a des bénédictions à attraper. Parce qu'aujourd'hui est un jour béni. On parle de l'amour. On parle d'une consécration dans l'amour. On parle de la consécration d'un couple. On parle de l'union, une union nuptiale, vous voyez ? Et ça, c'est celui qui est sensible au Saint-Esprit va attraper ses bénédictions. Celui qui est sensible au Saint-Esprit va voir que Ruth s'est engagée d'abord en Jésus-Christ avant de recevoir sa bénédiction. Et pour nous, c'est facile avec notre couple parce que nos couples sont déjà sensibles au Saint-Esprit. Notre couple, chacun d'entre eux, est déjà sensible à la présence de Dieu. Il n'est plus question d'aller glaner. Il n'est plus question d'aller pleurer auprès de Jésus pour enfin attraper une petite bénédiction. Il est question d'être soi-même la source de bénédiction de son prochain. Il est question aujourd'hui de se rendre compte de notre identité dans le Seigneur Jésus-Christ. Il est question aujourd'hui d'arrêter avec le mensonge du monde dans sa vie et de voir que la bénédiction est juste à côté de soi. Le mariage dans le monde, c'est bien. Le mariage devant Jésus-Christ, c'est là la bénédiction. Vous savez, sur la terre d'Israël, il n'y a pas de mariage administratif. Tu ne peux pas aller à la mairie en disant « je veux m'appeler du nom de mon mari ». Ça n'existe pas. Il n'y a que des mariages religieux. En France, on fait de l'administratif et on bypass le religieux. Mais dans la Terre Sainte, tu ne peux pas aller dans ta mairie et dire « moi, je veux me marier ». C'est quel serfa qu'il faut remplir ? Ça n'existe pas. Nous, en France, on met le religieux à la dernière place. Nous, en France, on met Jésus à la dernière issue. On dit, j'ai essayé par mes propres forces, j'ai demandé à mes copains, j'ai demandé à mes voisins, j'ai demandé à tout le monde. Peut-être je vais commencer à prier. Mais Jésus te dit, tu as toutes les bénédictions. Sois la source de bénédictions. Proclame, ça arrive à l'existence. Proclame et bénis. Comme Ruth a pu bénir sa belle-mère en lui donnant un fils. Ce fils, c'est pas n'importe quel fils. Parce que ceux qui sont, et vous connaissez tous Ruth, a priori. Si j'ai perdu personne. J'ai perdu le bout du monde quand même. Ruth, c'est la grand-mère de David. C'est fort, le roi David. C'est pas n'importe qui, Ruth. Ruth, la gentille, est dans le pédigré de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Je proclame que
ce qui a été dit aujourd'hui, ce qui a été dit sur cette chair, et vous savez, comme nous, qu'on n'aime pas le pupitre, on n'aime pas être haussé là, on préfère être de loin avec le peuple pour que vous touchiez vos bénédictions de près et pas qu'il y ait de distance, parce qu'il n'y a pas de supériorité dans le Seigneur. Il y a peut-être un manteau d'autorité à un moment donné dans la vie, parce qu'on est pasteur, parce qu'on est ministre, mais il n'y a pas de supériorité dans le Seigneur. Le Seigneur vous bénit tous, tous ses enfants. Il n'y a pas de distinction de personne dans le Seigneur. Nous sommes bénis. Chacun marche, comme Ruth, dans le champ, au début du champ, jusqu'à comprendre que le champ lui appartient. Parce qu'elle est l'épouse de Jésus-Christ. Vous voyez ? Donc, il n'y a pas de supériorité dans le Seigneur. Mais je proclame que ce qui a été dit aujourd'hui, en ce jour béni, en ce lieu de bénédiction, s'ancre dans votre terre fertile qui est votre cœur. Je proclame que ce qui a été dit soit semé et que ça s'enracine dans votre cœur. Vous êtes amenés à être des sources de bénédiction. Vous êtes amenés à avoir le discernement et bien comprendre que vous n'avez plus à glaner les bénédictions. Parce que la pluie tombe sur le bon comme sur le mauvais. Dieu bénit. Dieu est miséricordieux. Mais vous, vous pouvez être amené à devenir vous-même la source de bénédiction. De ne pas réclamer, mais de donner. Parce que Jésus te dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Venez aujourd'hui recevoir les bénédictions pour mieux les donner. Venez attraper vos bénédictions en ce lieu pour mieux les diffuser, pour mieux les partager. Soyez sensibles à la personne du Saint-Esprit. Que tout ce qui fait obstacle à la personne du Saint-Esprit soit chassé à cet instant. Que toute insensibilité au Saint-Esprit soit brisée à cet instant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen, amen. Amen.